1000 chaises et 4 motos offertes à la coordination régionale du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP du Tonkpé. Un don du ministre Vagondo Diomandé, fils de la région, qui consiste à apporter ma contribution au travail gigantesque qui a été confié au Tonkpé, à mes oncles et à mes frères qui sont au devant de la scène politique pour notre région. Dans le Tonkpé, nous sommes un. Nous formons un. L'unité du RHDP dans le Tonkpé s'exprime à travers une tournée menée de front par les coordonnateurs régionaux, les ministres Konaté Sidiki et Flendé Albert. Ici, à Biankouma, les populations sont invitées à participer au processus de révision de la liste électorale. La chefferie traditionnelle d'An et Toura n'a pas manqué de notifier son soutien au RHDP pour toutes les actions de développement dont bénéficie cette région. L'occasion est saisie pour annoncer un événement. Dans 3 semaines, nous allons entreprendre une activité majeure au niveau traditionnel. C'est-à-dire, nous qui sommes les Dans, nous sommes les fils des Dans. Nous allons venir ici présenter à nos parents, les chefs, la chefferie, toutes tendances confondues, la candidature d'Amadou Gon Koulibaly, qui est un allié des Dans. Après Biankouma, les localités de Gbepleu, Zéalé, Zonouye, Benouin, Danané, Boné ont reçu la délégation de la coordination régionale RHDP du Tonkpé, avec toujours en toile de fond la sensibilisation pour l'enrôlement sur la liste électorale. Nous avons donc expliqué qu'ils doivent se faire enrôler s'ils aiment le candidat Amadou Gon Koulibaly, qu'ils doivent se faire enrôler sur la liste électorale afin qu'ils puissent le voter massivement demain. Nous avons donné les informations fiables aux parents pour qu'ils sachent pourquoi le RHDP est ce parti fort à l'ouest. Donc le RHDP demain est le parti fort. Dans toutes les localités visitées, les populations ont en outre été exhortées à privilégier la paix et la cohésion sociale avant, pendant et après les échéances électorales.